Salut à tous, c'est l'Éradicateur qui vous parle et aujourd'hui on va avoir droit à une petite traduction du dernier épisode d'Insta Star Citizen et on commence avec Jared qui nous explique que ce trimestre risque d'être assez compliqué niveau production. Cloud Imperium est en effet en plein déménagement et se prépare à transférer ses activités dans de nouveaux bureaux en plein centre de Manchester et Jared lui-même est arrivé en Angleterre il y a une semaine et est toujours en train de défaire ses cartons et d'assembler ses meubles Ikea. C'est donc une période de transition à laquelle nous allons assister, mais une période riche en contenu néanmoins, au fur et à mesure que de nouvelles possibilités s'offrent aux développeurs dues aux progrès récemment réalisés. On commence donc avec Forrest Stéphane, que l'on n'a plus vu depuis très longtemps et ça fait vraiment du bien de le revoir à nouveau. Forrest est l'artiste technique principal au sein de Cloud Imperium Games, et donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui travaille sur le projet depuis 2013, donc quasiment depuis le début. Et donc Forrest qui nous informe qu'il joue à Star Citizen à titre personnel tous les vendredis soirs, cela dit ça fait du bien de voir que les développeurs jouent à leur propre jeu, hein. Il nous fait part de sa stupeur lorsqu'il a ressenti qu'il a contesté des incohérences vis-à-vis du système d'accumulation par rapport aux armures, aux armes et aux personnages en général. Pour remédier au problème, il faut trouver des solutions, et ces solutions il faut les présenter au patron. Et rien de mieux pour ça qu'une bonne vieille présentation. Et c'est donc ce qu'a fait Forrest. Il va nous donc montrer les meilleurs moments de la présentation qu'il a fait pour Chris Roberts et d'autres directeurs avant que le travail puisse réellement commencer. Donc, dans le jargon, les biomes sont en fait le temps qu'il fait et l'accumulation, l'effet que cela fait. En gros, si un personnage se promène dans un endroit quelconque, les effets d'ombrage engendrés seront liés au temps qu'il fait à l'endroit où il se trouve. En gros, si vous marchez sous la pluie, vous serez mouillé, tout simplement. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul effet d'accumulation dans le jeu. L'idée que Forrest a eue et fait partager à Chris est la suivante. Faisons en sorte que ces effets deviennent procéduraux. Le problème, quand de nombreuses personnes travaillent sur le même projet, est que l'on se retrouve avec différentes interprétations. Et si on rend le résultat procédural, le problème est réglé. Et bien sûr, avec un bon support graphique, le résultat sera encore meilleur. La raison pour laquelle c'est si important pour Forrest est que cela donnera une expérience plus immersive sur les planètes tout en jouant au jeu. Allez, c'est parti pour le rapport de progrès. On commence avec un travail entrepris afin de rendre les collisions entre personnages plus réalistes. À l'heure actuelle, les bulles de collision sont trop grosses et la solution temporaire actuelle est tout simplement de laisser les personnages non-joueurs se traverser les uns les autres et c'est bien sûr quelque chose que personne ne veut pour Star Citizen et Squadron 42. À l'avenir, les personnages non-joueurs auront de plus petites bulles de collision et seront capables de naviguer dans des espaces restreints afin d'obtenir pour les joueurs un rendu visuel plus satisfaisant. Nous avons maintenant d'excellentes nouvelles concernant l'IA qui, à l'avenir, aura des missions leur demandant de descendre de l'orbite d'une planète vers la surface. Et la raison pour laquelle on n'a pas encore vu de telles missions est que les personnages non-joueurs suivaient les surfaces avec un peu trop de précision et corrigeaient leur trajectoire au moindre petit changement, ce qui donnait l'impression qu'ils rebondissaient dans les airs sans cesse. À l'avenir, les personnages non-joueurs devraient voler de façon plus linéaire et naturelle. Ces nouveaux systèmes devraient également permettre aux personnages non-joueurs de déterminer leur propre lieu d'atterrissage afin qu'ils prennent les mêmes décisions qu'un joueur humain serait susceptible de prendre. Les équipes de Cloud Imperium travaillent également à l'amélioration de la réaction des personnages non-joueurs vis-à-vis des cadavres ou des personnages assommés. Les personnages non-joueurs seront à l'avenir capables de faire leur petite enquête afin de déterminer ce qu'il s'est passé et d'agir en conséquence. Ils auront plusieurs réactions à la vue d'un corps inanimé et se dépêcheront d'aller sur place ou procéderont avec plus d'attention. Ils seront également programmés afin d'agir en cas d'interruption. Il faudra donc faire attention et être prêt à tout. Les personnages non-joueurs seront également capables d'utiliser les distributeurs du jeu comme les distributeurs de boissons que l'on voit un peu partout dans le jeu. Ils seront programmés pour agir à plusieurs types de situations comme un fonctionnement normal de la machine qui les renverra ensuite à leur table où ils s'asseyront pour se désaltérer en toute quiétude ou ils pourront peut-être s'énerver et perdre leur sang-froid en cas de panne de la machine. Cela risque d'être assez marrant à voir dans le jeu et je suis sûr que certains prendront même le temps de voir jusqu'où les personnages non-joueurs iront pour obtenir leur soda. Les développeurs ont également travaillé sur les bases abandonnées du système Pyro. Ce que l'on voit ici est un plan traversal qui permet aux développeurs de voir s'il est possible d'y jouer de façon convenable et, si oui, les équipes d'artistes en charge du projet se chargeront de décorer le tout afin de donner au lieu son rendu final.
Ces endroits sont conçus pour être accompagnés de missions ainsi que d'éléments narratifs et pourquoi pas de combats joueur contre joueur parce que, après tout, c'est Pyro et Pyro est un système hors la loi qui permettra aux plus violents d'entre nous de s'y donner à cœur joie. Mais le travail ne s'arrête pas, qu'à la surface des lunes ou des planètes, il y a également du travail effectué aux confins du système où les équipes de CIG s'attellent à créer les épaves ou des stations abandonnées ainsi que d'anciens gros vaisseaux afin d'offrir aux joueurs toujours plus d'options et de challenges tout en prenant en compte la violence associée au système dénué de toute infrastructure ou de support des grandes coopérations de Stanton comme ArcCorp, Hearthstone, Crusader ou Microtech. Ils font néanmoins s'assurer que les joueurs puissent naviguer de façon convenable et sans se cogner à longueur de temps sur des astéroïdes ou autres débris qui viendraient leur faire barrage de façon aléatoire. On sera également en mesure d'y trouver plusieurs types de missions, comme des missions de sauvetage, d'exploration, de ferraillage ou de réparation. Les développeurs travaillent également sur des missions où les plus gros vaisseaux comme les Karak ou les Constellation seraient incapables de remplir à cause de leur taille, forçant les joueurs à prendre de plus petits vaisseaux comme le Merlin que l'on voit à l'écran. Et c'est donc tout pour cet épisode d'Insight Star Citizen. Si vous avez apprécié cette traduction et que vous souhaitez en voir d'autres, surtout n'hésitez pas à vous abonner. J'espère pouvoir refaire ce genre de vidéo chaque semaine. Un petit pouce levé et un commentaire pour nous faire part de votre opinion ou de votre analyse sera également apprécié. En vous remerciant de votre visite, je vous souhaite une très bonne journée. Ce fut l'Éradicateur. Salut à tous.